Julien, pour commencer, une question facile, mais une question nécessaire, je pense. Comment ça va avec toi? Ça va. Ça fait une semaine maintenant que j'ai subi ma deuxième opération. Ça s'est bien passé. Donc voilà, j'ai recommencé la rééducation, les exercices. Ça se passe bien, mais encore un petit peu de patience avant de pouvoir retrouver mes coéquipiers. Tu peux nous raconter quelque chose de ta blessure, c'est quoi exactement? C'est une pubalgie, c'est un terme un peu, un grand terme. En fait, ça peut être les abdominaux, ça peut être les adducteurs, le pubis. Donc ça fait plus d'un an que je joue avec mal parfois très mal, parfois ça va. Et donc à la fin de la saison, on a décidé que je me fasse opérer aux abdominaux. Normalement, ça guérit le tout, les adducteurs aussi. Malheureusement, dans mon cas, après quelques semaines, j'ai remarqué que j'avais toujours les mêmes douleurs qu'avant. Donc on est allé voir un autre spécialiste qui a dit il faut opérer encore de nouveau. Et cette fois-ci, on va couper le tendon de l'adducteur. Pour essayer qu'il y ait moins de tension. C'est ce qu'on a fait, ça a été une petite intervention, ça a duré que 30 minutes, ça a été facile je vais dire. Et donc voilà, aujourd'hui ça fait comme je dis une semaine que je me suis fait opérer des adducteurs et que je pense et j'espère que c'est la bonne, comme on dit. Un footballeur qui ne sait pas jouer au football, il se sent comment? Pas bien, sa vie elle est complètement différente. C'est dur de voir les autres s'entraîner, travailler et moi être à l'intérieur, ne pas pouvoir être avec eux, c'est très difficile. D'autant plus que quand la douleur était encore là, forcément, on ne voit pas vraiment le futur d'un bon œil, je vais dire ça. Donc maintenant que la douleur est partie et que j'ai commencé les exercices, ça va mieux parce que je sais me dire que dans 7 semaines, je suis avec l'équipe, donc ça va mieux. Quand est-ce que tu espères d'être sur le terrain de nouveau? À 100%, j'espère être de retour pour la fin du mois de septembre. Après le trêve, après le break international. J'espère être là, c'est l'objectif. Maintenant, si ça prend plus de temps, c'est pas grave. Je veux juste être sans douleur et à 100%. T'as parlé avec Tariq déjà? Parce que peut-être vous pouvez malheureusement révalider ensemble. Ouais, ça m'a touché vraiment beaucoup ce qui se passe à Tariq parce que... Ouais, on souhaite ça à personne et d'autant plus à Tariq, c'est vraiment quelqu'un de bien, un joueur très important pour nous et surtout une bonne personne aussi dans l'équipe. On en a parlé ensemble, mais je dois dire qu'il est déjà dans une très bonne mentalité, un très bon état d'esprit. Il est déjà focus sur sa revalidation alors qu'il n'est même pas encore opéré. Donc voilà, je pense qu'il fera tout pour revenir le plus vite possible et surtout... le plus fort. Pour finir, Julien, tu as encore un message pour les supporters parce qu'ils te manquent naturellement. Oui, bien sûr, vous me manquez aussi déjà, ça c'est sûr. Et puis je sais que voilà, le début de saison n'a pas été espéré, on n'a pas pris les points qu'on voulait, mais voilà, il faut juste être derrière l'équipe, soutenir. Il y a une équipe qui a beaucoup d'envie et qui est frustrée aussi d'avoir fait que 2 points sur 6. Donc, continuez à nous soutenir et les prochaines semaines, je suis sûr qu'on pourra aller chercher l'Europa League tous ensemble. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. Merci.